Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy VII Rebirth. J'espère que vous allez bien. Il y a une mise à jour, j'ai fait la mise à jour, je ne sais pas ce qui a changé. Donc écoutez, on va dire que c'est un patch qui a fixé des bugs potentiels. Pour l'heure, on va reprendre là où on était dans l'épisode précédent que j'ai dû couper court. Mais ça devrait être bon maintenant. Hop, donc on va aller sur la plage et profiter de nos protagonistes. Vous souhaitez aller sur la plage? Un petit peu plus à l'aise. Oui, on va aller sur la plage. Absolument. À nous la plage. Enfin, sauf Cloud, peut-être. Il est un peu mal à l'aise. Élégance. Avec élégance, avec classe. Tout à fait. Tan, 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 tan. Bon, allez, montrez-les du doigt aussi, vas-y. Alors, t'en dis quoi? La classe. Bon, faire la tartine. Tu es aussi élégante qu'une baleine gracieuse. Qu'une baleine gracieuse. Tu as l'air tournoyant comme une jolie. Mais non. Une baleine gracieuse. Ça n'a aucun style. De nous complimenter. Désolé, mais je n'y connais rien du tout en beauté humaine, moi. Ok, donc c'est pas un humain qui a été réincarné dans un chien. Hein. Ah bah oui. Yuffie, t'es jalouse. Mais. Bon, va falloir partir. Hein. Bah forcément. Eh oui. Eh bah oui, dégoûté les mecs derrière. Tout va bien. Oui. Évidemment, tout va bien. C'est juste que il fait très chaud. Eh oui, très très chaud d'un coup. Faites gaffe. Allez pas prendre un coup de soleil. Ça fait mal. Les mecs ils sont dégoûtés. Eh oui. Vraiment tout ce que t'as à nous dire? Non non non. Et... Ah ben non, pas Johnny. Pas lui. Ah, toujours là le gars. Ici, en voilà une agréable surprise. Ouais, mets-toi devant Cloud, t'as bien raison. Pour Aeris, rassurez-vous. Mais bah, t'as intérêt. Si tu acceptes de nous prêter assistance, ce sera avec grand plaisir. J'ai pas mon épée, mais ça suffit pour te péter la gueule. Hein. Vous allez bientôt pouvoir assister à un incroyable spectacle. Mais il vient tout niquer avec sa blouse blanche là. Aussi. Comment il a pu venir lui? Oh, il est pas en maillot de bain. Quelle bonne idée. Pourquoi il y a trois poufs derrière lui hein? Ah, c'est lui que. C'est lui que Johnny a apporté les mallettes là. Non, vous êtes sublimes les filles. Il se trouve que j'ai justement besoin de femmes pour m'aider dans ma prochaine expérience. Comment ça, mon ref? Imaginez ça, l'une de vous pourrait donner naissance au prochain héros de notre ère. Mais ça va pas? Fou, professeur. Ce serait n'importe quoi. Tout, un héros d'une grande beauté. Pourquoi tu bouges pas? D'autant plus facilement, n'est-ce pas? On est d'accord. Ce n'est ni sa grandeur ni sa puissance qui font d'un homme un héros, mais plutôt le regard que ses pères posent sur lui. Est-ce que... Je peux rien vous dire, vous. Vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer? Non, tu dis de la merde, Ojo. Mais ça a l'air incroyable. Ah bah ouais, on est un peu quiche. Non mais Johnny, t'es tombé bien bas. Hein. T'es déjà pas très haut, mais... Tu as répondu à l'appel, toi aussi, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? À l'appel de Kel'Thuzad. J'en déduis que tu n'en es pas conscient. Comme tu peux le voir, tous tes frères ont également fait le voyage pour se rassembler ici. Comment ça, mes frères? Oh, alignez-les. D'accord. Allez. Alors. Bon. Allez. Ici. Voilà. Oh. Parfait. Non mais c'est. Je veux bien que ce soit des légumes, mais quand même. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elles font celles-là? C'est chiant, j'ai des sautes de son. Alors. D'accord. Ah, la plage, elle donne envie. Ah, Costa de la mort. Hein. Mais tranquille, il y a encore des civils que le gars, il envoie des monstres. Mais il va les faire se transformer. Qu'est-ce que c'est que ces hommes?
Attends, je vais... J'ai des coups de sang, ça revient. Et il se retransforme. Bon. Contempler le pouvoir de la réunion, bah ouais. Bon, ça change rien, c'est... C'est mes écouteurs qui doivent faire chier. Mais quoi? Arrêtez de le retenir, butez-le! C'est pas possible. Mais ça lui fout. Oh là là. Mais t'as une machine gun? Non, même pas. Ah bah, eh bah oui, Cloud. Ah, le parasol. Attribut de votre arme transféré au parasol. Oh bah, fort pratique ça. Comment elles ont des armes? Avec qui faites-vous équipe? Aeris et Barrett. Bah oui, Aeris. Hein. Ils sont plus en panique là. T'as fait un spectacle. Avec Aeris, c'est renforcé. Tintin. Mais avec un parasol, tout va bien. Ta. Je pense que Tifa se débrouille bien mieux pour combat que Aeris. Hein. Comme Barrett, il a même pas son arme. Mais il fait des esquives. Aïe. Il arrive mort avec ça. Ah si, il a une traillette dans son truc. Mais il avait une traillette en plus. Mais tu pouvais facilement lui péter la gueule. Mais d'où elle le sort son bâton? Autant Cloud il prend un parasol, tout va bien. Ah mais putain, mais il m'emmerde lui là. Aïe. Le parasol, sérieux. Le vieux parasol qui sert à que dalle. En train de détruire complètement. Paf. La plage. Hein. Dommage qu'on ait pas d'épée. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Quand même pas prendre. Non. Il va quand même pas prendre Tifa. Ah, il nous tire dessus. Mais quoi? Mais sérieusement? Mais d'où? Mais comment ça? C'est Aeris et Tifa qui auraient été prises. Aeris et Barrett qui auraient été pris. Mais qu'est-ce qu'il nous fait sur le jeu? Avec un parasol, d'accord. L'expérience, résistance est utile, je vous sers de coopérer. Mais comment ça? Avec un parasol, je t'éclate la gueule, moi. C'est personnel cette histoire, ouais. Alors attendez, en vrai, je vais mettre pause. Je vais aller changer parce que j'ai l'audio qui bug, je vais désactiver mes écouteurs, je reviens. Ça c'est vraiment relou, je profite absolument pas du... Ça me sort, toutes les 5 secondes j'ai une coupure, je reviens. Hop, ok. Ah bah c'est quand même bien mieux. C'est quand même bien mieux. Du coup je peux mettre... petite analyse. Alors, il craint la foudre. Subir un certain montant de dégâts le fragilisera, les actions et compétences synchronisées le feront plus facilement. Après quelques temps, il capturera ses cibles avec des missiles et des drones. Dérapage dévastateur le fera surchauffer, l'empêchant temporairement d'agir. Mais c'est pas cool ça. Solution secourifique. Charge foreuse, choc combustible. Aïe. Ok, on a pris le choc combustible, ça c'est cool. Sort, soin, on peut faire extra soin peut-être. Non, on va juste faire soin. Quoique, non, on va faire extra soin. Sur Cloud. Donc on aurait eu Aeris et Barrett qui auraient été capturés si on avait fait dans l'inverse, je suppose. Sort, on a dit qu'il craignait la foudre. Effectivement. Aïe. Après, on n'a pas un enchaînement foudre. Fulgurant.
Ouais, c'était pas fifou. Paf, 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 paf. Extra foudre. C'est bien, extra foudre. Non, ça fait rien, sérieux. Capture téléguidé. Ah non. Chabéry, Barrette. Ah, mais merde. J'ai pas pu le. Enfin, c'est pas pour mettre la main sur un spécimen tel que toi. Mais sérieux. Ah, oh, zut, hein. Bon, on va les perdre, hein. Je vais perdre mes alliés, là. Quand même pas. Ah, mais... Sort. Soin sur Cloud. Essayer de lui taper à distance, comme ça. Pas froid dans le poison. Ah, zut, hein. Pas touché. Je peux pas péter la. Non, je peux pas péter la capture. Ce que je veux moi, c'est seulement mettre les mains sur tes précieuses cellules. Mais si possible. Non, mais il me saoule ce truc. Je suis tout seul. Hein. Ça... Mais elle est parfaite, Iris. Qu'est-ce que tu racontes? Il parle lui. Bon, Parasol, c'est pas fou. Hein. On avait dit Cloud. On avait dit quoi, Cloud? Toujours avoir son épée sur soi. J'avoue que tu débrouilles bien avec un parasol. Je sais pas comment tu tapes un robot avec un parasol, mais soit. Ah bah nous aussi, on s'est capturé. Super. Ah, Yuffie. Nice. Aïe. Brisage de dos. Non, clairement pas. Yes. Avec un parasol. Ouais, ramène-moi mon épée d'ailleurs. Allez. Ramène-moi ton épée s'il te plaît. Il l'a pas vu. Il a pas vu qu'on s'était fait aider par Yuffie. Ouais. Tu n'as rien à craindre, si tu viens avec moi, tu pourras contribuer à l'évolution du genre humain. Mais non, mais. Mais t'as qu'à le faire toi-même, toi. Ah, il me saoule avec son truc, lui. Alors, blablabla, mais je suis pas. Ok. Tout ça. C'est à cause de moi. Et ouais, Johnny, tu sers à rien. Mais oui, toi, glandu, bouche ton cul surtout. Tu veux les sauver, pas vrai? Dans ce cas, hop, hein, tu vas m'aider. Lol. C'est le moment d'en finir. Non. Tintin, tintin. Ah, gros problème. J'ai un parasol et un gros canon. Que je ferai une retour au laboratoire. Mais. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai pas eu le temps de le lancer, sérieux quoi? Nique sa mère. Mais je me suis fait forger la gueule. Toujours debout, mais plus pour longtemps. Qu'est-ce qu'il nous fait? Des rappels dévastateurs. Mais je peux rien faire contre ça, je peux pas courir, je peux. Bilan surchauffe. Parasol. Je sais pas comment on tape ça, mais c'est un parasol. Hein. Quelle plaie, vas-tu encore t'entêter comme ça? Mais jusqu'à la fin du monde. Hein. Je vais être obligé de prendre encore un objet.
Il refait un canon supersonique. Aïe. J'ai pas de transcendance. Ouais. Si j'ai ma transcendance. Ah. La science que t'es un gros connard surtout. T'as l'air croisé hein. Avec un parasol hein. Bien sûr. Hein. C'est déjà pas mal je trouve avec un parasol. Moi même on était étonné. Là au moins je vais pouvoir faire quelque chose. Ta la la la. Le machin ne s'est pas pété hein. Je sais pas ce que c'est que ces parasols de la Shinra mais. Et je peux invoquer. Allez, vas-y. Go, Ifrit. Tintintintin. Reste à distance. Compétence, plongeon. Paf. Ok, on va la voir. Ne perds pas de temps, bah oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Johnny, arrête, c'est dangereux. Mais t'es capturé, vous êtes capturé où vous? Ah ah. C'est pas Johnny, c'est Yuffie. Pas combien il y en a 5 mais elle nous fait Kiriko. Ah c'est des mogs. Ah, ah. Nice. Oh là là là. C'est même pas l'épée. Ah bah il s'est fait cramer le cul. Nice, nice, bien joué Yuffie. Mais de quoi laisse-le? Mais arrêtez de le laisser s'enfuir, tapez-le. La position de Johnny quoi. Mais lol. Bon, Cloud, c'est la dernière fois que tu te sépares de ton épée. Hein. Bon, est-ce qu'on peut profiter de la plage maintenant? Plage de Costa, soir. Peut-être bien. C'est joli. Je parle pas que d'Iris. Tan-nan-nan. Ou de Cloud. Le coucher de soleil, c'est sympa là. Coucher de soleil sur la plage, bah ouais. On peut leur parler là au moins. Allez Iris. Tifa, juste à côté, pardon. Il y avait personne derrière le comptoir, alors je me suis servi. Oh, t'as bien fait. Del Sol. J'en préparais parfois au septième ciel. On se disait qu'on rêverait de venir ici. L'époque où je travaillais au bar me paraît si loin. J'ai l'impression que ça fait des années. Faut dire qu'il s'en est passé, hein. Il s'est passé tellement de choses. C'est pas étonnant. Il s'est passé tellement de choses. Ça t'est déjà arrivé de souhaiter pouvoir oublier certaines choses? Toutes les peines, tous les coups durs. Oui et non, mais... Oublier. Surtout les coups durs. C'est aussi ce qui forge. Ouais. Hein. Je sais, moi non plus. Dis, je peux t'en faire un pour toi aussi si tu veux. Non, ça va. Mon ça va, ça va. D'alcool, je le boirai quand on aura reconstruit le septième ciel. C'est ce qu'on a décidé avec Barrett. Okay. Quand est-ce que vous avez eu l'occasion de décider ça? C'est un secret. C'est bizarre comme secret. Mais c'est toi qui vois. Ok, ok. Bon, sinon tu peux arrêter l'alcool aussi, hein.
Ta 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 ta. Alors, on va aller voir Barrett sur les escaliers. On va finir par par Iris. Faut bien l'admettre, Yuffie nous a tiré d'un sacré pétrin. Après, nous avoir remis dans un autre. J'ai rien pu faire pour sauver les manteaux noirs. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est Ojo qui les a tués. Y a pas moyen qu'on laisse ce sac type s'en sortir comme ça. Non, ça c'est sûr par contre. Il va payer pour ses crimes, je le promets. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur ça. Red 13. À cause de Ojo, c'est un vrai champ de bataille. Non. C'est aussi notre faute. Comment ça? Chaque fois que j'ai affaire à lui, je perds totalement mon sang-froid. Mais t'as rien pu faire. On n'a pas eu le choix, faut pas t'en vouloir. Faut pas t'en vouloir, Red 13. Faut pas t'en vouloir. C'est l'adrénaline qui parle dans ce genre de cas. C'est tout à fait normal. Ouais. La prochaine fois, je lui saute à la gorge. Voilà, ça c'est mieux ça. Pas donner un coup dans le ballon. Ah, si on peut donner un coup dans le ballon. On est tabouré aussi. Plap, plap, plap. Bon, j'ai pas intérêt à me foirer avec Iris. Hein. Midgar est là-bas. Au-delà de l'horizon. Pas vrai? Faut croire. Ma véritable mère, elle s'appelait Ifalna. J'ai cru comprendre. À ma naissance, Ojo l'a fait capturer. Pour mener ses expériences. Parce que c'était une Citra. C'est pour cette raison que je le hais. Profondément. On le déteste aussi, hein. Il m'arrive même de me dire que je dois venger ma mère. Je sais pas si la vengeance c'est bien, mais en même temps, je comprends je complètement. Je me mets à penser à des choses horribles, à tel point que j'ai peur de moi-même. Bah, c'est normal, c'est normal, c'est normal, Iris. Ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées de ce genre. C'est normal. Surtout vu la situation. Hein. Je sais pas trop. Ça m'inquiète quand même. Ouais, ça je comprends quand même, mais. Ne torture pas. Y pensera quand ce sera nécessaire. Une fois que Cloud te donne un conseil. Et quelle que soit ta décision, je serai là. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. T'es mon héros. Notre héros à tous. Bon, on y va. Ils mettent clairement plus Aerys et Cloud en avant que Cloud et Tifa. Je n'aurais qu'à écouter mon cœur. Le moment venu. Mais c'est quand même étrange. Ouais. C'est plus sain. Quand on y sera, je compte sur toi. Ouais. Pas toi. Je disais ça à l'Iris du futur. D'accord. Je pense que ce sera vraiment une fille formidable. Celle du présent l'est déjà, hein. Tu verras quand on y sera. Une fois les préparatifs terminés, allez à l'hôtel. Retour au gîte. Merci pour ce moment. Je ne l'oublierai jamais. D'accord, moi non plus. Moi non plus, Iris. Franchement, un beau coucher de soleil comme ça sur la plage, ça fait plaisir. Hein. Tifa, tu dis quelque chose? J'espère qu'on pourra revenir un jour pour regarder la mer. L'esprit libre de tout souci. Sinon, tu peux la regarder maintenant, la mer aussi, ça marche. Ça marche. Oye, oye, tout, tout, tout. Non, alors, tu dis quelque chose en plus. Rejoindre les autres. Mais d'accord, dis-moi si je le pue, hein. Il y avait un le en trop. La mer est magnifique. J'aimerais bien y amener Marlène, un de ces quatre. Ça, je comprends par contre. Elle serait ravie, je crois. Surtout d'être avec son papa d'ailleurs, mais bon. Soit. Bon, prêt à partir? On va dire non, je vais quand même voir si. Profitons-en encore un peu. Tu devrais aller parler aux autres. Ouais, mais j'ai déjà parlé aux autres, mais je veux quand même vérifier que j'ai pas oublié quelque chose. J'ai pas une Yuffie qui s'est cachée derrière un rocher ou... Non. Barbecue, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là?
suis arrivé en retard. Ma carrière à la Shinra est officiellement finie. Je n'ai plus rien à perdre. Ma décision est prise. La Shinra ne peut pas me virer si je me vire en premier. Allez tous vous faire foutre, bande de bêtes secs de la Shinra. Ah ben voilà, c'est bien ça. Bien joué, mon gars. On peut nager ou pas? On sait qu'on peut nager. Plouf. Oh, on peut nager, incroyable. Allez, nageons un peu. Oh, impossible d'aller plus loin à la nage. Mais en bateau peut-être? Est-ce qu'on peut y aller en bateau? En chocobo? Ah, c'est en chocobo qu'on pourra. Un petit plouf. Vous voulez pas faire un petit plouf avec nous? Vous voulez pas vous plouffer? Eri, Sifa, Barrett, Red 13, vous voulez pas? Bon. Bah d'accord. T'es en train de chier toi? Qu'est-ce que tu fais? Merci pour ce moment. Je ne l'oublierai jamais. Yup. Tu as déjà dit, hein. Mais pourquoi il y a un ballon là? Papapapalan. C'est impossible à contrôler ce truc. Bon. Bah vous aussi. La plage, c'est pas fait pour ça, hein. Ok. Bon. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. On a eu un bon combat. Un peu d'histoire. Des moments sympathiques. On va s'arrêter là donc. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.